pensais que tu attendais que les finissent de faire ça, non, avant de partir. Pourquoi? C'est toi qui iras me déposer. Comment ça? C'est moi qui irai te déposer. Hein? Est-ce que j'ai besoin que tu m'accompagnes pour que je parte où je vais? Écoute un peu. Est-ce que tu es consciente que toi et moi, on n'a pas fini de dialoguer par rapport à ce voyage-là? Attends, hein? Peut-être qu'on doit encore dialoguer dessus. Pour que j'aille voir ma grand-mère, je profite une fois, je regarde mon enfant, il faut que tu sois d'accord. Et étant donné que ma grand-mère est malade, ce n'est pas une visite de courtoisie, je ne vais pas me balader. Qui t'a dit que ta grand-mère est malade même? Ma grand-mère est malade. Qui te l'a dit? Qui t'a appelé? On m'a appelé pour ça, ma grand-mère est malade. Pour... Et moi, je n'ai jamais de mots à dire sur ta vie. Moi, je ne comprends pas. Tu te déplaces comme ça là, tu vas jusqu'au nord, à Garoua. Hein? C'est si loin. Ceux qui partent souvent là se perdent. Je serai la première à se perdre parce que j'ai décidé de voyager. Je n'aime pas ce côté rebelle de toi. Sincèrement, je te le dis tout le temps. Ouais, avec ça, essaye de changer. Pas. Non, honnêtement. Surtout quand tu te déplaces Monsieur, comme ça. Essaye d'être calme. Non, bref, écoute, moi je ne comprends pas. De tous les petits-fils que ta grand-mère a eu à voir, c'est toi seul qui t'en vas là-bas. Tout le temps, c'est toi qui vas au nord. Tout le temps, c'est toi qui vas au nord. Le reste là, ils font quoi? Hein? Tu es sans oublier que je suis l'homonyme de ma grand-mère. Je suis l'homonyme de ma grand-mère et l'aîné des petits-fils. Et puis quoi? Qui doit prendre ma place? Hein? Prends je suis la seule à le faire. Comment? Comment? Hein? C'est quoi? Ta mère est même là. Tu ne me parles jamais de ta mère, toujours de ta grand-mère, toujours ma ta grand-mère. C'est quoi? Elle a gardé ses petits-fils aussi. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sincèrement, ça, je te le dis. Je ne voudrais pas qu'on s'engueule souvent quand tu quittes la maison comme ça pour partir là-bas. C'est toi qui veux faire de ça un discours, un problème, un débat. Je ne vois pas où il y a un problème là. Et c'est toi qui vas grammatiser. Tu comptes faire combien de temps là-bas? L'année pour 3 jours. 3 jours? 3 jours loin de moi, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est quoi? Je suis devenue ton caleçon. Tu es même quoi? Tu es infirmière? Je suis quoi? Dis-moi si tu es infirmière à la fin parce que je ne comprends pas. Quand toi tu te déplaces, tu me vois former, je dis. Ça veut dire quoi? Je me gêne quand tu te déplaces. Hein? Parce que je prends soin de te dire toujours où je m'en vais. Attends. Et alors, moi aussi, je ne t'ai pas dit où j'allais. Attends. C'est hier que tu me parlais de ça. C'est que tu vas voyager. Je ne t'ai pas quand même dit où. Ce n'est pas normal. Ça, parce je te le dis, ce n'est pas normal. Appelé. En tout cas, te voilà qui est là. Comme tu t'en vas là, j'espère tout au moins que cette fois-ci, tu ne vas pas oublier de me garder les choses que je t'avais demandé la dernière fois. Je t'ai dit que si j'ai besoin des Samaras du Nord. J'ai besoin du miel du Nord. Et en même temps aussi, je vais voir si je peux t'envoyer de l'argent pour que tu prennes un pain à maman. Et bon, à ma mère et à ma belle-mère, je vais t'envoyer de l'argent, 2 pains. Pendant pour ce temps, tout ça. Ce que toi tu commandes, j'achète avec l'argent, tu me donnes l'argent. L'argent que je te donne pour voyager ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est juste pour le voyage. Tu as bien dit pour voyager. En tout cas, et non pour amour, faire les achats pendant attends, le voyage. Ce qu'on va faire, j'ai compris. Si j'ai un peu d'argent, je vais faire un effort de t'envoyer une forte somme pour que tu puisses, n'est-ce pas, prendre soin non seulement de grand-mère, laisser un peu d'argent à notre enfant et puis de l'autre côté aussi acheter les choses dont je t'ai détaillé là tout à l'heure. Il faudrait que tu ailles un peu vite parce que c'est le train que tu vas prendre. Bien sûr, qu'est-ce que je vais prendre? Okay. Et tu es là, tu me perds le temps, il faut que je respecte. Ça veut dire quoi, je te perds le tu temps? Tu bavardes trop. C'est ce que tu trouves? Oui. En tout cas, toi reçois ma bénédiction, vas-y. Et que le Seigneur te garde sur ton chemin. Mais quand tu arrives là-bas, salue grand-mère. Hein? Et souhaite-lui une bonne guérison. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Oui, moi je suis là, je continue de faire sport. Du courage. D'accord, bon voyage mon amour. Merci. Cette histoire de grand-mère là commence vraiment à me faire de la peine. Ma petite soeur d'amour, comment tu vas? Voilà, je te prends une chaise. Non, je peux même m'asseoir là-bas. Mais c'est sale, hein? C'est sale. Attends, maman, je suis d'abord propre. Attends, je te mets un vêtement là, tu t'assois. Attends, maman, je suis en train de... Oh là là, la petite soeur de quelqu'un, quel bon vent. Mais toi, tu voyages déjà comme ça, tu ne me dis même pas que tu es en train d'arriver. Tu tombes là comme le mauvais esprit. Mais quand je partais même du nord, je t'avais appelé il y a cela 3 semaines, mais là, je sors du village. Attends, attends. C'est une façon de me dire quoi que tu es ici depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, comme je te dis là, ici. Et tu es où? Je suis au village, je sors du village comme ça.
Attends un peu. Il est vrai que j'avais vu tes appels la dernière fois. Les appels manqués. Voilà. Mais c'est quand elle sortait du nord que j'avais. Je n'ai pas voulu te rappeler parce que je me disais que bon, peut-être comme d'hab, comme toi tu aimes toujours me déranger là, à tout moment, oh mon grand frère, toi tu m'appelles parfois. Donc, en un jour, tu peux même m'appeler trois fois. Parfois, c'est même pour ne rien dire. Est-ce que c'est mauvais alors? Non, c'est pas mauvais. D'entendre ta voix tout le temps. J'ai deux. Ouais, je n'ai pas dit que tu avais un autre. Ton mari, tu es venu avec lui? Je sens qu'elle va aller me laver quelque part là où je suis là. Pourquoi? Il y a eu quoi pour que tu te laves? Hein? Ce que Léo m'a fait. Tu te rappelles, tu sais que quand je fais la ligne, j'achète les trucs là-bas, la marchandise là-bas, elle vient écouler ici, j'achète oui. encore ici, elle vient revendre là-bas. La dernière fois que j'étais ici, c'est là 3 mois. Oui. Je suis rentrée. Ce que j'ai trouvé chez moi. Quoi? Je sais ça. La maison s'était brûlée. Si c'était même brûlé là, ça allait encore être mieux. Il y a eu quoi? On a volé les effets de la maison. Qu'est-ce qui s'était passé? J'aurais même préféré qu'on vole. Mais attends un peu, tu n'arrives pas à m'expliquer là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis que Léo, qu'est-ce qu'il t'a fait? Hein? Tu n'as même pas remarqué. Il y a un problème avec lui. Tu n'as même pas remarqué comment j'ai maigri. Mais moi, je me disais que comme tu me disais la dernière fois quand tu étais ici, que voilà, tu vas te mettre au sport, que tu as débuté le sport. C'est quoi le souci? Il y a un problème? C'est alors le sport spirituel que j'ai fait cette fois-ci. Parle-moi, dis-moi, Sœurette, qu'est-ce qui ne va pas? Grand frère. Il y a quoi? Grand frère. Oui. Quand je suis rentrée chez moi. Oui. Je sais que j'ai laissé mon mari. Comme j'en ai souvent l'habitude de laisser mon gars, je sais que je laisse mon gars et tout ça. Quand je repars, je trouve une personne installée chez moi. Cette personne n'est ni sa soeur, ni sa cousine. Attends. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir me faire comprendre là? Tu as trouvé une femme chez toi? J'ai trouvé une femme chez moi, je ne suis plus avec Léo. Je ne suis plus avec Léo comme je dis. Comment ça? Mais Léo et toi, vous êtes mariés. Ton alliance même, tu ne l'as pas portée, pourquoi? J'ai jeté. Jeté? Je ne pouvais plus. Mais vous êtes mariés. Attends, mais je ne comprends 8 pas. Ans. Attends, est-ce qu'il t'a fait savoir que c'était une personne avec laquelle il partageait peut-être une quelconque intimité? Il t'a dit ça? Léon m'a fait comprendre qu'il a retrouvé la femme de sa vie. Quoi? Ah oui. Il m'a dit qu'il a retrouvé la femme de sa vie. Quand je lui ai demandé que mais Léo, tu es venu voir mes parents, tu m'as épousé. Moi, c'est... Pourquoi tu m'as épousé? Non, je ne comprends pas. Sincèrement. La femme de sa vie, comment? Hein? Elle était où depuis? Léo m'a dit qu'il avait fait l'enfant avec cette femme. Qu'ils ont fait l'enfant. Et l'enfant la vit avec Léo? L'enfant ne vit pas avec nous. Est-ce que j'étais au courant? Je savais que Léo avait un enfant. L'enfant est donc où? Pourquoi il ne te présente pas cet enfant depuis? Il ne m'a jamais présenté cet enfant, puisqu'il ne m'a jamais parlé de cet enfant. Comment ça? Il ne m'a jamais parlé de cet enfant, comme je te dis là. Léo m'a dit qu'il a renoué, il m'a présenté, il m'a dit que ça c'est la femme de ma vie. On s'est perdu de vue quand j'allais en formation. Voilà. Je lui demande alors que mais quand j'allais en formation, toi et moi on était déjà ensemble. Comment vous êtes perdu de vue? Quand il était à l'école normale là. Donc maintenant qu'il est professeur, c'est à ce moment-là qu'il pense hein, à la femme de sa vie. Il a trouvé la femme de sa vie, comme je t'ai dit là. Non, mais tu as mal fait aussi de partir du foyer. Il ne fallait pas partir comme ça. Il peut prendre un avocat derrière toi pour constater ton abandon. Est-ce que je suis partie parce que je voyais du bien? Léo m'a jeté dehors comme une vieille serpillère. Il dit qu'il m'a jeté dehors, porté et jeté. Ma soeur, ouais. Il fait comme s'il ne me connaissait pas. Hein? J'ai tellement pleuré que je... Il a oublié que tu es ma soeur. Je n'ai plus de larmes. En toute honnêteté, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi? Il a pris mes effets, il a jeté. Et je suis rentrée. Je n'ai même pas eu le courage d'apporter certaines choses chez maman. Donc pendant que, de mon côté, tout va mal parce que la femme qui est dans ma vie, qui partage ma vie, fait du n'importe quoi, elle monte, elle descend. De ton côté, c'est la même chose, mais qu'est-ce qui nous arrive à la fin? Mariette n'est plus avec toi. Mariette est encore avec moi où? Elle est avec moi où? Hein? Je me suis mis en relation avec une jeune fille là, ça fait environ 5 mois. Je crois, oui, 5 mois et demi déjà. Et tout ce que moi j'ai apporté là pour elle? Non, mais tu vas donner à la nouvelle.
Tu as donné la nouvelle tout simplement. Elles ont la même corpulence. Bon, c'est pas vraiment ça, mais bon, on va voir. Je ne sais même cas, pas ce que tu as apporté. En tout cas, comme ce sont les tissus, par là, elle sera comment... Présume-toi que cette fille, avec tout ce que je lui faisais dans la vie, cette fille s'est retrouvée entre d'aller sortir avec mon ami. Parce que celui-ci venait d'Mbeng. Tu vois un peu? Parce qu'il venait d'Mbeng. Et c'est moi qui les ai présentés. Donc, c'est moi qui avais présenté Mariette à mon ami. Derrière tout ça. Mais le gars est parti, il l'a jeté. Elle est où? Elle est revenue déjà vers moi plaider. Elle m'a écrit, elle a déjà appelé. Je lui ai dit, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc voilà ça. Hein? La nouvelle a voyagé là. Elle a voyagé aussi pour le nord toujours. Comment toi aussi tu as fait ça? À peine tu te sépares de Marie, tu prends une autre. Tu ne peux pas quand même donner des vacances à ton cœur. Je te comprends, mais tu sais, le cœur a ses raisons que la raison m'ignore. Tu comprends un peu? En toute honnêteté, je souhaiterais que cela soit fait ainsi, comme tu le dis là. Mais je n'arrive pas à rester encore seul comme ça là. C'est... Quand je reste comme ça, c'est comme si j'étais soit orphelin, soit veuf. Non, je ne comprends pas. Grand frère, moi, je te dis que c'était vraiment très tôt. Parce que lorsque une femme te déçoit comme celle-là, t'a fait, vraiment, il fallait d'abord prendre du recul. Que tu essaies de voir plus clair. En tout cas, le fait est fait. Tu comprends un peu. Le fait est fait. Ce qu'on va faire là maintenant, j'espère que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé cela, que c'est elle vraiment. Non, tu c'est. Tu dis qu'elle est partie. Elle est partie à Garoua. Elle est aussi allée au nord, oui. Elle a sa famille là-bas. En fait, elle a un enfant là-bas qui serait chez sa grand-mère. Elle est nordiste. Non, elle n'est pas nordiste. C'est une fille d'ici. C'est une fille de chez nous. Et sa famille est allée s'installer là-bas. Sa grand-mère, comme elle me dit souvent, sa grand-mère s'est mariée. Donc, elle a fait un deuxième mariage avec un nordiste. Tu vois un peu. Donc, c'est là-bas qu'il y a son enfant. Et quand elle partait là, elle m'a fait savoir que voilà, son enfant même est... malade aussi. C'est pour ça qu'elle s'en va. Et de l'autre côté, comme tu demandais si avec elle tout va bien, qu'est-ce que je peux te dire? 5 mois et demi, je suis encore en train d'analyser son comportement. Tu vois un peu. Mais je puis déjà te dire que c'est une merveilleuse femme. 5 mois et demi. Donc la dernière fois qu'elle était ici, là, tu n'as pas voulu me dire que la mariée était toi, vous êtes bien séparés. C'est vrai que je me disais peut-être que mon cœur, n'est-ce pas, allait peut-être finir par lui pardonner son erreur, mais franchement, donc comme je te disais donc tout à l'heure, celle-là, elle a un seul défaut, c'est qu'elle est rebelle, mais je la comprends, c'est parce qu'elle est encore très jeune, donc je me dis qu'avec le temps, elle finira par comprendre que voilà, toi tu arrives ici, tu vois même ces gouttelettes de pluie, chez nous ici plein, il pleut actuellement, donc c'est la mauvaise saison. Que depuis que je suis ici, ça fait 3 semaines quand même. C'est ce que je dis. Voilà. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce que je peux te dire? Tout simplement, garde ton calme. D'accord? Garde ton calme et essayer de voir, de rencontrer des hommes de Dieu. J'ai même honte. Tu comprends? Même raconter ça à quelqu'un, j'ai honte. Non, on va essayer de rencontrer des hommes de Dieu. 8 ans de ma vie. On va rencontrer les hommes de Dieu, comme je te dis, ça ira. J'ai supporté le gars là. Ah oui, c'est ce qu'elle te dit. Tu lui as porté la pâte d'arachide quand il était à l'école normale. Donc maintenant que Gaou a percé, il est devenu professeur. Il a retrouvé la femme plus. De sa vie. La femme de sa vie, la mère de son enfant. Mm-hmm. Mieux d'eux. N'est-ce pas? Toi, tu ne fais pas d'enfant. Ouais, merci. Pas d'enfant. En tout cas, il n'y a pas de souci. Hein. Ce qu'on va faire là. Si je ne faisais pas mes fausses couches là, n'est-ce pas que j'allais y avoir aussi mes Tu amis. Rentres au village quand? Je suis encore là. Je suis là pour. Peut-être la semaine prochaine. Et tu iras où? Parce que je voudrais aller chez ma copine là. Faire quoi? C'est d'abord que je vais déposer mes choses, non? Donc je vais de temps en temps prendre quelques trucs. Et comme je n'ai pas, j'ai seulement déposé la marchandise parce que j'avais quand même le temps d'acheter. En tout cas, il n'y a pas de problème, Sœurette. Ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Vas-y de ce côté-là. Tu as dit que tu as apporté les choses de madame. On fait donc quoi? Non. Je l'ai lu. Toi-même, tu viendras lui donner. Donc, il n'y a pas de problème. C'est entre vous, les femmes. Ça vous permettra aussi de mieux vous connaître et de mieux vous accepter. Donc, par la même occasion, fais un effort qu'on puisse voir, qu'on aille rencontrer les hommes de Dieu pour ton problème-là. Tu comprends un peu? Tu me dis même les hommes de Dieu. Là. J'ai même ma copine-là. Elle m'a dit qu'elle voulait m'amener quelque part là à l'est. Chez qui, là-bas? Il y a une maman là-bas dans une bouche de l'Est. Là. L'homme de Dieu ne refuse pas. Tu sais que c'est Dieu qui a aussi donné le pouvoir. Oui, le don de guérison, le don de vision à certains.
il y a un par moment, il faut même aller voir seulement. En tout cas, il n'y a pas de problème. On va jumeler, d'accord? On fera la tradition et on ira aussi vers les hommes de Dieu. Parce ok? Il le faut vraiment parce que je suis même sûr que la fille a embouté le gars. Il y a même les marabouts là qu'on pourra aller consulter. Le gars, je suis sûr que la fille a embouté le gars là parce que je sais pas. Non, non, laisse tomber. Laisse tomber. Toi, tu vas trouver là en train de finir mon sport. Je suis là depuis. Elle est partie là. Ça ne fait pas longtemps. Ça fait environ 30 minutes. Hein? Ça fait environ 30 minutes qu'elle est partie. Tu l'aurais pu retrouver sur place. Donc voilà. Je venais juste. Je salue et te faire savoir que je suis là. D'accord. Ok. C'est vrai. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ça ira. D'accord. Ça ira. D'accord. Bon. Je te fais signe dès qu'elle rentre. Hein? Ok. Et quand tu vas au village, n'oublie pas de saluer tout le monde là-bas. Ok. Ok. Hey, il y a les arrachés, il y a les chenilles. Ok. Après alors. Ok, bon. Okay. Bon sport alors. D'accord, bye. D'accord, ma soeur d'amour. Oh, les hommes, nous les hommes, on dérange aussi. Hein. Ouais. Wow, le retour de ma reine. Wow. Wow. Mon amour. C'est comment le voyage a été? Grand-mère, comment est-ce qu'elle va? Elle va mieux. Ça essaie d'aller quand même. Vous êtes allé à l'hôpital? Elle avait déjà commencé un traitement et elle est suivie par une dame là-bas, elle est indigène. Et notre bébé alors? Il va bien. Ok, j'espère qu'il n'a pas beaucoup pleuré quand toi tu venais. Je suis partie quand il dormait. Oui, mais je t'ai déjà dit quand même de faire un effort de les ramener ici, fait qu'ils viennent vivre avec nous. Il est encore petit, il va venir rester ici avec lui, papa, il faut attendre. En tout cas, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Voilà ce que ton mari mange. Depuis ton départ, hein, les bouts de pain, parce que quand je ne suis pas ici, je demande de venir voir comment elle prépare. Un jour, je peux ne pas être là. Ce n'est pas ton problème. Mange les pains, là, c'est mon problème à quel niveau. Je t'ai toujours dit que je suis un homme marié. Et un homme, bon, je ne t'ai pas encore épousé, je sais, tu vas le dire comme toujours. Mais quand un homme vit déjà avec une femme, chez nous, les Bantous, on considère que c'est un homme marié. Donc, voilà, moi, je ne vois pas comment je vais encore prendre mes mains, aller à la cuisine et dire que si je décède. Tu décèdes pour voir. Ouais, si je décède. Arrête les femmes qui décèdent avant leur mari, là. Arrête ça. C'est ça que tu vas manger toute ta vie parce que chez nous, les Bantous. Okay. Arrête ça. Ta famille va me donner une deuxième femme. Le courage. De votre côté. Oui. Et c'est ici que je dors, hein, depuis que tu es parti là. Il fait tellement froid dans la chambre là-bas. Vraiment. Et au salon, il y a la compagnie. Non, non, ici là quand même, je sais que c'est une place. Là-bas là, c'est deux places. Et les deux places là, toi, tu n'es pas là. Quand mon pied se pose, même où tu dors souvent, j'ai encore plus froid. Alors, quoi de neuf? Mais attends un peu. Toi, tu es parti là-bas avec les mêmes habits, tu reviens avec les mêmes habits. Tu voulais que je rentre encore avec l'habit? Que j'achète un habit, je mets sur moi, je viens ici, tu ouvres un procès. Et quand tu vivais là-bas, donc c'était toujours ça. Peut-être ça sent même déjà. C'est ça que tu portais même là-bas au nord. Je pars chez ma grand-mère, j'ai besoin d'un sac encombrant. Alors que ma grand-mère a les cabas. Elle a les paniers. Qu'est-ce que je pars avec les habits chez ma grand-mère? En tout cas, mon amour, moi je suis là. Je suis resté là. Il n'y a que les gens du courant, ceux qui sont passés entre-temps. Ce qu'ils font encore là, depuis que tu es parti, on a fait deux jours sans lumière. Donc ils étaient là, ce qu'ils nous racontent, même on ne comprend pas. Alors que l'eau, le courant, si notre courant de ce pays, c'est avec nos rivières. Hein. On ne comprend pas l'affaire des délestages là, tout le temps, tout le temps. Bref. Ils peuvent aussi connaître des problèmes, c'est quoi? Qu'est-ce que tu en sais? La rivière là, oui, c'est de vos rivières, mais qu'est-ce que tu en sais? En tout cas, tu es toujours comme ça. Tu ne peux jamais aller de mon côté un jour. En passant, waouh, c'est alors joli. Oh. Paille du Nord. J'espère que tu m'as aussi gardé quelque chose là-bas. Parce que, hey, bon, le petit plastique, si d'habitude, tu viens souvent avec beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois. Il t'a envoyé beaucoup d'argent. Oui. Il t'a envoyé beaucoup d'argent pour prendre deux pailles. Deux pagnes à mes belles-mères. Voilà. Quoi d'autre? C'est comme ça, quoi d'autre, quoi?
Il n'est pas envoyé l'argent de l'enfant. Et alors l'argent de l'enfant a devait acheter quelque chose. Ah, il n'y a pas de problème. Maintenant, non. Dis-moi. Dis-moi. Il a acheté des choses avec l'argent que tu as donné. N'est-ce pas? Et voilà, qui va donc partir prochainement? Comme toi tu es parti là, j'espère qu'on va te remplacer. Qui t'a remplacé? Celle qui va partir. Personne. Tu repars là-bas encore? Oui, dans 2 semaines je repars. En tout cas, je vais voir si je suis libre la fois là, on ira ensemble. On ira ensemble. Je ne parle même pas avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi comment? Je ne dois pas aller voir ta grand-mère. Ma carte d'identité. Je ne dois pas aller la voir. Tu ne la connais pas déjà. Ok. Mais je dois la voir, elle est malade. Tu dis non, qu'elle est malade. Non, papa, reste chez toi. Hein? On n'est pas toi qui vas aller guérir ma grand-mère. En passant même, il y a... Je t'ai souvent dit que j'ai ma soeur là qui est là-bas au nord aussi. Elle était ici dernièrement. Elle me fait savoir qu'elle a eu des problèmes avec son mari et que son mari l'a mise à la porte. Elle est ici depuis 3 semaines. Pourquoi on va l'accueillir chez nous? Non, elle ne vient pas, elle viendra pas vivre avec nous. Mais dans tous les cas, elle était là. Elle a gardé des choses là. Bon, elle se disait, je te dis la vérité, hein, que j'étais encore avec l'autre femme. Donc, je lui ai dit non, j'ai déjà une nouvelle pépite. Donc, elle est très belle, et je l'aime beaucoup. Et elle a donc dit qu'elle reviendra personnellement te remettre ces choses là. Parce que toi, tu ne chômes pas un jour. L'autre sort, l'autre entre. Pendant que tu m'as embrouillé, elle était ici dedans. Non, mais. Après, tu restes, mais j'étais dehors. Pendant que tu as. Ah, je l'ai jeté. Tu sais ce qui s'est passé entre nous deux. Je t'avais dit non. Quand tu vas me jeter dehors, une infidèle comme elle. Tu me racontes quoi là? Fidèle. En tout cas, ma petite soeur, elle a envie de te voir. Donc, je lui ai dit. Je lui ai dit. Ce que je vais faire là. Mon téléphone est même où? Je ne sais même pas où je l'ai jeté. En tout cas, je vais l'appeler. Ah, voilà mon téléphone posé là-bas. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je l'appelle là tout de suite. Et puis, voilà. Je lui dis que tu es de retour. Tu vois. C'est quoi? Il faut absolument qu'elle vienne me voir. Je suis pas chantage. Non, je vais vous faire là une présentation. Elle va me donner l'argent. C'est ta belle-sœur, non? Oh oui, Serette. Oui, comment tu vas? Je ne suis pas du mal, voir les gens. C'est quoi toi? En fait, je tenais à te dire que je tenais à te dire que ta belle-sœur est rentrée. Donc tu peux déjà passer. Dès que tu auras du temps, viens la voir. D'accord. Et oui, elle est bien arrivée. Elle est bien arrivée. Et toi, ça va mieux? Oh, ouais, continue de prier. Hein. Continue de prier, ça ira. Ok. Tu viens demain. D'accord. On t'attend alors. On t'attend sur place. Ok. Bye bye. Elle est alors sympa. Moi, je suis pas sympa. Elle est très sympa. Moi, je suis pas. Mais je lui ai aussi dit que toi, tu es sympa. Bon, mais il faut alors aller garder les choses là dans la chambre. Moi, je suis là. Je vais essayer d'aller faire mon sport comme toujours. Je me manque le sport là, je m'en vais. Je me suis quand même déjà réveillé là depuis. Et puis voilà. On est là. Mes choses ont encore poussé au nord. Hein. Enfin, tu es de retour. Ok. Ah, il ne te mange même plus. Hein. La femme est là. Elle va me faire un bon plat. Voilà. Tu ne fais même plus bon dans ma bouche. Oh, la sœur de quelqu'un. Mon frère à moi. Comme tu as dit. J'ai dit que tu tiens toujours à ta parole. Toujours. C'est comment alors? Tu sais que maman n'a que fait que deux. Voilà. N'a fait que deux ans. Donne cette chaise. Tu t'assois là, c'est toi ici. Maman n'a fait que deux ans. Ah. Donc quand elle te dit que je viens. N'est-ce pas? Tu dois être là. Ah oui. C'est comment alors? Et raconte. Laisse-moi la remettre le téléphone dans le sac. Ta copine là t'a finalement amené, vous deviez partir? Non, pas encore. Je suis encore en train de récolter l'argent. Apparemment c'est loin. Hein, en tout cas, on fera des efforts tous ensemble. Quand il s'agit de ta santé ou alors de ton bonheur, de ton bien-être même, je dois tout faire pour contribuer. Tu comprends un peu? Voilà, bon, c'est ce que nous allons faire là. Tu m'as dit au téléphone que ma belle-sœur était déjà là. Ma femme, mon épouse. Oh oui, elle est arrivée. Effectivement,
Hier, comme j'étais en train de t'appeler, là, c'était son arrivée. Elle est là dedans. Mon amour. C'est même pour elle que je suis. Mon amour. Oui. Oh oui, viens, viens. Ta belle sœur est là. Alors, avec tes coiffures, vos coiffures me sic. Je sais qu'elle veut l'avait changé, non? Elle veut changé. Tu ne changes pas pourquoi? Attends. Tu changes pourquoi? Ne me dis pas que c'est pas. Je pense que c'est pas pour ça que l'autre t'a chassé là-bas. Non, hein. C'est pas pour ça. C'est pourquoi alors? Il a dit qu'il a trouvé. Non, je ne. Voilà. Ta belle sœur est là. C'est quoi? Il y a un souci. Mais salut, voilà ta belle sœur. Comment tu viens, tu te places comme ça? Mais salut. Mais c'est ma femme ici, non? C'est ma nouvelle copine ici. Hein? Voilà pourquoi elle te disait que prends d'abord le temps. C'est ta femme. C'est ma femme là. Comment tu me poses la question deux fois? Il y a quel souci? Le problème c'est quoi? Si je souffre aujourd'hui, c'est elle. Pardon? Le monde est petit. Le monde est petit. Si tu souffres, c'est à cause de ma femme. Donc, tu m'as enlevé dans mon foyer pour venir rester chez mon frère. Mbalme yo. Je ne vais même pas loin. Je ne vais pas loin. Non, attends. Ouais. Tu es sûr que tu ne confonds ma femme? Ta femme est jumelle. Tu es jumelle. À moins qu'elle soit jumelle, hein. Tu ne connais pas que je suis jumelle. Tu n'es pas jumelle. Jumelle où? Je ne suis pas jumelle, comment? Jumelle où? Tu ignores ma jumelle. Et vous je ne connais pas ta jumelle, n'est pas jumelle. Non, c'est le genre de jumelle identique. Oui, regarde. Nous sommes pareils. Regarde. Nous sommes pareils. Hey. Mais voici le même habit avec lequel tu es parti même. Et puis quoi, j'ai donné mes la dernière fois où tu es parti au nord, c'est cet habit que tu avais. C'est deux habits. Il y a cela trois mois. Attends un peu. Ça n'a pas vu seulement pour moi. Non. Attends, ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille même pas un peu. Je veux savoir. Tu dis que c'est elle qui a fait en sorte que... C'est elle que tu as trouvée chez ton homme. Ce n'est pas toi. Je la connais pas. Elle dit, place-toi là. Tu dis que tu ne connais pas qui? Tu ne veux pas dire la vérité? Quelle vérité? Dis-moi, attends, tu me connais. Tu me connais assez. Tu sais comment il me fâche souvent. Je te pose la question. Dis-moi, réponds-moi. Réponds-moi. Tu connais... Écoute. Écoute bien. Elle va sortir. Dis-moi, elle partie tu dis que tu ne connais pas. Tu t'arranges avec ta soeur quand vous venez m'enfoncer. Vous n'avez pas parlé d'ici. De me malasser par rapport à quoi? Attends, ma petite soeur. Attends, attends un peu. Je veux savoir une chose. Avant de la chasser d'ici, parce que tu vas partir, en toute honnêteté. Je ne pars pas. Toi, tu ne pars pas. Avec toi, je ne pars pas. Tu as souffert pendant 5 mois. Je pars ici. Tu vas me donner tout ce que j'ai réalisé. C'est à cause d'elle qu'on t'a mise dehors. Ouais, elle était là. Tu m'as dit que tu n'étais pas là quand mais même. Attends, 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 attends je ne comprends pas. Pardon. C'est pas fait mon affaire, et puis quoi? Attends, donc quand tu pars d'ici, soi-disant que tu t'en vas au nord là. C'est toujours mon frère. Attends, dis-moi un peu. C'est toujours mon frère, je suis à stage chez toi. Ah bon? Je me suis arrangé avec le père mon enfant. Ah bon? C'est ce que tu dis? Attends, tu vas partir. Toi, tu vas partir d'ici. Et attends, parce que la seule chose que tu as. Écoute, tu vas partir. Tu vas partir. Et tu sais quoi? La seule chose. Elle n'entre plus en train ici là. Elle n'entre pas. Viens me donner ma carte et mon acte. Oui, ce sont les seules choses avec lesquelles tu étais entré ici. En dehors de remplir mon WC de caca. Tu comprends pas? Ton rôle, c'est lequel? Tu as ta carte sur toi. Là, voilà. Donc, je viens te dire. Non, tu vas partir. C'est quelle histoire ça? Mon Dieu! Hey! Aujourd'hui tu me parles fort. Hey! Tu me parles fort. Tant de mois de souffrance. Briseuse de foyer, j'accepte. Briseuse de foyer pour récupérer. Briseuse de foyer. Voilà ça, ce n'est que ça. Ce n'est que ça que tu as laissé ici. Prends ça. Pardon, prends ça là-bas. Ramasse ça. Et dégage ici. Va. C'est parce que tu n'as même pas honte. Parce que tu n'as pas honte. Dis-le, dégage d'ici. Dégage ici. Va là-bas. Elle n'a même pas honte. Elle n'a même pas honte. Elle n'a même pas honte. Vraiment, il me dévergondait. Regarde-moi ça. J'ai une demoiselle. Va, va, va. Va. Une inutile comme ça. Regarde-moi ça. Va, Léa. C'est tout ça là. Oui, on accepte. Va là-bas.
Tu comprends? Va là-bas. Tu as vu comment je t'ai donné, comme ça, t'as donné mon argent. Regarde comme tu as foiré. Si tu le fais, si tu m'énerves, je prends ça et déchire. Regarde ça. Si tu as le pouvoir de déchirer. Quel a été ton rôle dans ma vie? Elle me fait savoir qu'elle va au nord et s'en va voir sa grand-mère. Elle va voir ma grand-mère. Parlons des gars d'ici. On dit de dégager. Vas-y. Regarde ça. Toi c'est qui? Tu es quoi? Tu es quoi? Une dévergondée comme toi. Tu es quoi? Alia quoi? C'est quoi? Alia même quoi? Alia même toi. Ce sont les formes. Quelle forme? Les formes de la bordelerie. Quelle forme? Les formes de la position. Immédiatement que tu mets sur toi là. Regarde-moi ça. C'est tout ça là. Tout ça. Tu comptes seulement sur ton corps. Vous êtes laid. Ne lui parle pas. Ne lui parle pas. C'est ça. C'est ma soeur. C'est qu'on va faire. On s'en fout de toi. Va même. Va même. Va même. Regarde la honte. Tu n'as même pas honte. La honte. Regarde comment tu es venue. Tu as dit que tu partais chez ta sœur là. Ce qu'on va faire, allez pratiquer. Il faut qu'on lave le corps. Tu comprends? Parce que si, s'il faudrait qu'on rencontre toujours les chaises comme ça, une poufiasse de cette espèce. Et on dégage. Va avec ça là-bas. Regarde, et prends les pieds, elle va au nord. Je pars chez ma grand-mère. Je pars, au moins, sinon on m'entretenait. Tu as vu comment lui, au moins, s'il me gâte. Tu sais comment on donne l'argent à une femme. Tu peux me donner l'argent. Regardez-moi ça. La bouche sang. Pardon. Va là-bas. Dégage. Vampire. Idiot. Salopard. Chouane. Je ne veux plus de toi. Va là-bas. Reste avec ta soeur. Vieille demoiselle. Une chose qui sent mauvais comme ça.